Monsieur, merci de votre fidélité. C'est parti pour le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine, le rendez-vous des auditeurs. Vous étiez très nombreux, très nombreux à nous suivre tout au long de la semaine. Nous sommes arrivés à la fin. On va chiter, on va dire chiter en douceur. Passera pas en cascade, hein. Je présume comme si là, quand on n'est pas là avec un autre invité qui vous avez découvert ce jour, je pense qu'il y aura un débat véritablement républicain pour finir la semaine à bonté. Alors, un seul tuto ce matin, Tobet Alissolo, il y a la situation est avec le communiqué, vous l'avez suivi du gouvernement congolais. Là, le plaidoyer continue pour obtenir les sanctions contre le Rwanda. Vous avez suivi le gouvernement congolais à travers un communiqué, a présenté, a rappelé d'abord, SPA Nations Unies, récent rapport à Bangui, a câblé encore Ouganda. Nous allons essayer de réfléchir avec les invités qui sont sur ces plateaux, justement, parce qu'on dit, on est sur CTV Raluc officiel, votre YouTube, mais aussi sur Radio Liberté Kinshasa, Raluc FM, pour ceux qui nous suivent sur web, à travers votre application, retrouvez cette application sur Play Store, téléchargez Raluc Web, ou cliquez Kano, cliquez à WhatsApp, vous nous suivez à travers le monde. Nous n'assistons pas 8 MHz, c'est une mode de votre, c'est votre fréquence, bien entendu, modulé FM. 082-33-33-749. Alors, selon le gouvernement congolais, rapport aux équipes est présenté, preuve accablante et indiscutable d'agression à la République démocratique du Congo. Ils disent près de 4000 militaires rwandais qui sont plus nombreux justement et largement supérieurs à celui du terrorisme du M23, comptant justement des enfants mineurs et des personnes recrutées des forces dans les localités sous occupation et des camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Il établit sans embâche, bien entendu, selon le communiqué, que le Rwanda contrôle l'agression justement qui est matérialisée par le M23. Alors, Mitouna Nabissou Ntongwalelo, est-ce que la République démocratique du Congo, notre pays, on est incapable de mobiliser plus de 4000 hommes pour faire face à cette agression? Est-ce que c'est le nombre qui nous fait peur? La grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire oui, que après agression, il y a Rwanda tel qu'il est déploré, avec la preuve, Bandeko Balobi, Ouganda Pazako, agressé Bissot, on peut aujourd'hui espérer connaître le vrai problème et faire face à la situation de l'Est. Parce que ce qui tout a surpris dans l'agression ougandaise, est-ce que déjà parce qu'on l'a mis à nu, Moukleibi, le plus doyé à travers le monde, la France, le Canada, la Suisse, ma pays wana, à travers conférence à conseil à sécurité des Nations Unies, ils sont tous unanimes qu'on est agressé, non seulement par le Rwanda, mais aussi par l'Ouganda. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que alors, ils sont dangereux parce que à coup jouer va sale coup à tout moment et qu'on est battu ma camionnette demandé ni alors qu'on est à on a pire yo à la tuba qui le Ouganda que le loto est pire Ouganda se pire bisouté. Est-ce que ça peut nous aider à découvrir le vrai problème et faire face à la situation, mobiliser les troupes, faire tenir compte à nombre parce que le rapport fait allusion également au nombre. Mesdames et messieurs, merci parce que vous nous avez choisi ce matin. Junior Kassanda remplace Onésime Singani ce matin derrière la cabine technique. Trois invités dans ce studio, Natongo Alelo. Nous allons parler de la République démocratique du Congo. Motabank Samoningate. Opposition, majorité, société civile, tous nous sommes des Congolais. Kofi Olomide, Christian Temeteme, bonjour. Bonjour. Madame Boka, bonheur. Ou accompagné qui m'ont pas ôté. Babil Lopé, aucun délicieux, c'est parce que nous avons bien communiqué de ces sacs. Je me réserve de dire que c'est authentique, mais je crois qu'il est de nouveau appelé, bien qu'il il a été répondre hier à l'invitation à ces sacs. Bon, dans lundi et Natongo na l'économie de RFI, Lobby Azalaki a se défendre, que Kofi à la Kamaï le Mingi. Il a reconnu quelque part qu'il a la qualité d'un ambassadeur. Oui, il est saigné, mais devant normalement la tombe sous bande de conneries, bah au moins on passe sous bande de conneries, bah beaucoup fois peut-être Azaki peut-être avec à l'obac peut-être avec une phrase de trop ou un mot de trop, c'est un Congolais, je ne pense et Kofi c'est un Congolais particulier parce que Kofi Azastar mon aîné reconnu dans le monde entier,
malobanaye koza la capté pe na dimension mususu pe malobanaye ba kozo yango na considération mususu yango wana musala c'est ça ka kosala naye ko rappeler que tu es congolais, tu es libre yako opinion yako pesa opinion na yo kasi oye ba situation toza nango oye ba nini koiko loba. Mais est-ce que j'aimerais la même question qu'il vous est posée soit répondue dans des paroles Camizelo. Je rappelle qu'il est l'un des invités ce matin. Dans des Paul Mbumba, mon copain, il a invité. La même question sera posée à eux. Naturellement, ils vont donner les bonnes avis. Koffi a-t-il dit la vérité, oui ou non? Si oui, comment faudrait-il le dire? Parce que déjà, dans les réseaux sociaux, nous avons vu les militaires. Et ça a été même illustré dans mon coin d'affiche, j'ai vu ça dans le réseau, où on montrait un militaire sur la moto. Ah. Est-ce que Koffi a-t-il dit oui ou non la vérité? Et si oui, comment il fallait le dire, peut-être, pour ne pas, comme le CESAC l'a rappelé, démotiver les troupes? Moi, dans mon cas bonheur, sur l'analyse, je suis dit que c'est parti prêté. Le quoi, on a pouvoir sur ma baie au Salamana. Na dédouaner ma bé wana wana au contribuer na passe bandeko na ngai na me ma makila bandeko ba kufa na ko me ma jamais makila bandeko ba kufa likolo ya soif ya pouvoir na linga mingi ko se fier na ba communiqué officiel na ba position officielle ya gouvernement ya na ba kanou et reconnu ya armée ya ba service de sécurité pe ya renseignement ke na ba réseaux sociaux au en aucun jour ngai teme dans ma cambo eux collègues na est noël samino j'ai lu dans des réseaux sociaux, j'ai vu dans des réseaux sociaux, j'ai entendu dans les réseaux sociaux, parce qu'il faut eba guerre oyo est ko bundama na front militaire ou na front médiatique. Les Rwandais sont forts na front médiatique. Est-ce qu'est-ce qui 90% qu'est-ce qui ne marche pas avec vous 90% vous communicateur de l'Union sacrée 90% ya oyo totang aka sur l'est et revenu démocratie du Congo Rwanda mtacha kango et c'est pour nous distraire. Parfois, c'est pour nous diviser. Alors, pourquoi ne pas le faire aussi pour vous, communicateurs, parce que vous représentez l'Union sacrée dans ce studio? Moi, je le fais. Hein. J'ai l'habitude de le faire. Quand j'ai une information officielle, d'ailleurs... On n'est pas fort aussi que le Rwanda, vous pensez? Est-ce qu'on n'a pas mis les moyens à votre disposition? Nous sommes forts que le Rwanda, mais c'est peut-être une question de moyens. Mais Kabila, parce que quelqu'un a dit Kabila, t'es qu'à mon pépé, on va avec Télé 50 en son temps, on voit les images du Congo, moi j'étais encore au village, j'étais à l'OTAN, nous voyons les images, Kabila fait vendre l'image du Congo, même en faux, il faut dire, Naba affiche, Junior Kass n'avait pas me contredire, on voyait les images partout, révolution de la modernité, cinq chantiers, où on vous dit, même chez moi au village, je me dis, je dois arriver à savoir ce qui se passe là-bas. Avec, je me disais que Zaki Bongo peut-être que avec le temps, mais ça, on n'a jamais vu ça, malheureusement. Mon numéro en bon bonheur, aux alliés du domaine, aux alliés, aux hommes de métier, les numériques avec les réseaux sociaux, bah, suis-moi le devant qui est sur l'audiovisuel. Excusez-moi. Moi, même Bissot, on a radio de tout ça, mais on a Bissot directement en numérique. Tu vois, donc. Okay, non, le banane, en plaire, même ma fiche, il faut dire. Moi, je l'ai dit, hein. En plaire. Papa, non. En plaire, Oyo. Les réseaux sociaux, ils ont le monde, et Rakabi les a quittés. Et moi, je condamne le pouvoir de Kinshasa sur ce point-là. On n'a pas réussi à éduquer les gens sur le numérique. Qu'est-ce que nous faisons là-bas numérique? Ah, on est là sur comment agrandir le sexe, comment durer sur une fille, et ainsi de suite. Je salue Yannick Boubi. Je le salue aussi mon frère Yannick Boubi. Ah, c'est inutile. C'est inutile. Donc nous ne sommes pas utiles dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on attend que Kabila tu sais qu'il y a du place avant qu'il y ait Bandako vendre? Non. Non, mais est-ce que ça mais même la terme à ma fiche mobilisation générale, ça ne se fait pas. Olandi conférence Mogo, moi, la Mboka Vital Kamera Salaki à l'étranger, devant la population rwandaise. On se demande, n'est-ce pas Bako Lokako, j'ai mal à l'aise, à l'obaté. Et puis, Akouye Bissabama le dit, je vous connais très bien, vous êtes fort dans ça. Vous êtes fort dans ça. Donc, Neko Bonheur, la guerre. Forme en guerre au bisou tous en même. Arme l'équipe population dans ma casse. Si la population congolaise, tu peux comprendre que oui, est-ce qu'on peut dire que le régime n'est pas. Est-ce que la configuration qu'on a dit non, parce que c'est ce que vous déclarez autrement. Quand vous dites que la population devra
s'engager dans le combat wana. Visiblement, ce qui dit c'est Bassel jusque-là. Jusque-là, tout le monde mis ça, Félix Ngambou. C'est comme si tout le monde Kende. Quand l'ennemi réussit à vous diviser, quelque part vous êtes affaibli. Ah, mais les qui cohésion nationale, la situation est exaltée. Ce qui est bisounios, Ngaï, parole camisée, Martin Fayoul, Martin Fayoul, Amédée les politologues, et au père Sis Nakasavou, bisounios surtout, Teddy Kachama, Augustin Kabouya, bisounios surtout. Pourtant, Augustin Kabouya, t'es Azam Koulou. Non. Voilà les amambois, des pressants, Makamboy Kolo. Mais quand nous sommes divisés, pour ne pas vous interrompre, vous étiez là, vous avez eu la conférence de presse hier, papa Jonas Mukamba. Non, j'étais pas là, dommage. Hier, dans Santé Zaki Malam. Il a joué au sapeur-pompier. Bon, il reste que lui. Dans ma cambo, il dépêche ses acquis sur une guindiboye. C'était qui t'engayait ou qui pouvait s'improviser comme médiateur. Et aujourd'hui, il n'y a que Jonas Mukamba qui est en Zimbo. Que tout le monde peut écouter. Il y a un peu de Senga. La ligne unité nationale. Félix a écouté la situation. Ce que ça ici, il y a un peu de salis pour les cambo ici. Merci. Mais ce que lobby. Kofi a lobby, il écoute un peu à cela. Vous répondez maintenant. Bon. Et il faut qu'on confronte Makambo Kofi à lobby, là bas, information officielle. Alors, il y a une source, et si il y a Zwaki, il y a une source. Ah oui, on nous tape. Bon. Tout ça au bon, hein. Il y a tout le monde, il faut qu'on se pose ici. C'est ma bêtise, on se pose ici. C'est beaucoup plus mieux. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il est communicateur de l'Union Sacrée, conseiller volontaire. Le président de la République. Président de la République. Ouais. Sans bureau et ni salaire. Voilà. Sans salaire, ouais. Ni bureau. Ni bureau. Merci. Zambasunga. Aujourd'hui, le roi Cédric Mondier, comment ça? Cédric, mon ami, Cédric, celui de l'ABC de Boudimou. Ah, Cédric Moudian. Moudian. Il a été nommé vice-administrateur. Hein? Ah bon? Il y a ça des martyrs. Ah, félicitations à mon frère, hein. Je passerai pour te féliciter au bureau. Mais autant la bilogue, on est sur le domaine de la francophonie. Il peut dire mon abonné. Entretien ça, t'es. N'a pas de ganga ou à bilogue, ma tombe. Mais c'est ça pour le dossier. N'a l'équilibre, il y a gymnase à basket. Solo, ma souba, n'a évité ça. Maintenance. Mais les cambonini. Hein? Paul Mbumba. Oui, bonheur. Jonas Mouton Babato. Bonjour de Norbert Lui. Oui, d'abord Mbote, merci l'invitation et merci na ba auto ko bana bango lisolo na pour la tour à l'élo. Mbote pe na zo pesa na ba membre Union Sénat de Républicain, ba o bazana mboka pe libanda ya mboka. Mbote na yemoko mwana mboka. Vous avez bana mboka? Oui oui, l'homme constant. Na pe si Mbote, l'homme constant, l'homme politique congolais constant, égal à lui-même. Le roi Martin Fayoul, le roi Martin Fayoul, le roi constance na bango. Non, ils sont différents. Bangomi balé. Parce que et la kisamaki, beaucoup là-bas vote. Parce que bisous bango avant élection, ça y est, langage moko. Pas que soit à Seni Oyo, pas que soit à loi électorale, pas que soit à Bonabona. Maintenant, vers la fin, de Koufayou, le sali virage, il y a 90 degrés. Et là, ça qui était, Azalaki constante par rapport à mon amour Norbert Louyé. Point barre. Donc, il y a un seul constat pour moi. Dans le lobby que le Congolais, Bangomi va juger. Ou à l'obac qui n'a aucune élection, parce que et ça l'est mis en violation, mais bien que vous pouvez rejoindre un gars. Tout développé. D'accord. Alors, pour la zone à la question, tu n'es que mon amour Norbert Louyé est centaine de gens. Oui, il va bien, toujours à la recherche et à solution pour que paix et quoi recontre d'une manière définitive en République démocratique du Congo à travers le texte Oyo, Mbokanabiso et Signan. Entre autres, l'accord cadre de l'Addis Abeba, signé le 24 février 2013. Vous êtes ministre des Affaires étrangères, parce que vous parlez de l'accord cadre d'Addis Abeba. Alobi, hein? Alobi, cadre Moko, pour résoudre la situation. Est-ce pour l'instant, Abi Kambako, cadre Alobi, et là,
Ok. Merci. Le colo ligné qui n'a touché point. D'abord, nous avons salué Nenge, les États-Unis d'Amérique, à arriver à imposer cesser le feu au niveau de la République démocratique du Congo, à Rwanda. Nous sommes tout à fait d'accord parce que c'est un discours de la vision. Mais de quoi avec que Kounou, ils ont pu permettre, attendez, et permettre Paul Kagame à ses élections dans la Kimia, de quoi ils ont sacré le bel et bien, pour Kounou, les élections, ils ont dit que tout blessé, Maka Kounou, Azama, Azama, Moutoukotoyo, il faut faire une élection pour pas préserver. Yango Babi, Azala Kounou, c'est ma élection, comme ça, Bazongi la guerre. Entre temps, ils ont violé les trêves. Néo Christian te mettait Mauti pour le bar. Tu vas plus à quoi légitimer Guerouana. Néo Christian te mettait Mauti pour le bar. Arbitre phrase Mauro Awake. Source, nous devons avoir la source n'est pas l'information. Donc libre à lui. Nous sommes en démocratie. N'a quoi empêcher penser à Moutouké. Mais moi je viens, je donne la pensée de l'Union des Républicains. On dit qu'elle a toujours une vérité. Ata Okimi, Okozonga. Donc ça lui a dit cesser les faits voilà parce que Nenge va communiquer voilà parce que là qui a monsieur qui au Taliban discours de l'Union des Républicains. Okolo Bagano, copie conforme. Donc. Nenge va arriver qu'il a quoi imposer cesser les feux et dans chaque cesser les feux, ben escarmouche et zanga raté. Moi, bilo ka mike 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 wana et zanga raté. Yango monaki. Non, je viens. Escarmouche aussi a dit. Je viens. Parce que phrase moko bimi c'est ils ont violé. Yango les gens parce que ben escarmouche et zanga raté. Escarmouche. Oh. Tant que ben escarmouche wana va le dire que phrase de ces mots a violé. Va le bien monter. Ah, la question tu utilises tu le dis et ils ont ma groupe rebelle. Ma groupe Mai Mai, on est basé force négative au même pied d'égalité que les M23. Et Bangonde, Bakéko Sala, Bakéko Bundisa, M23, Mbeba, Bondoli Bango, n'a deux villages pour Bazala Binango. Donc les 53 et comme 55 villages d'agglomération. Yango Monique et Bissot ont salué trêve aux États-Unis à imposer qu'une RDC et puis la Rwanda pour que, et à Bakisaki, il faut pas créer la condition. Pour le retour de la paix. C'est un langage codé en politique. Lorsqu'on veut créer des conditions pour le retour de la paix, en notre terme, vous vendez à vos solos là. Parce que la paix, bah, soit créée d'une manière brutalité. Il faut, par la voie pacifique, communiquer et le baki. Alors, nous avons imposé la paix, c'est jusqu'au 19. Nous avons dit que nous avons et le gouvernement congolais avait salué la mesure. Alors, oui, nous sommes tout à fait d'accord pour dialoguer. Pas avec les Rwandais, mais entre les Congolais. Mais de quoi faire ça, les gars qui a détourné à Corona, na Kota Naye, c'est-à-dire Yendemoutou, a convoqué, à ça, les gars qui a mis la bande de Kosala, mais il y a un qui va voir vice-ministre des Affaires étrangères, na Zanzibar. Débarqué na Zanzibar, il va dire au coup de délégation à Rwanda, il y a Sud du Soudan et consort. Tango, par Rwanda, et puis ce qui est le ce qui dialogue, de côté, il y a un accord, la Rwanda. Et pour la Rwanda, dans le pays, ceux qui dialoguent, ils ont été élevés là, dans l'accord de Nairobi. Oh, ils ont aussi été assassinés qui est Félix Ayo qui est là. Or, ils ont été élevés là, accord de Rwanda. Ils ont été élevés là, accord de Nairobi. D'où il faut que l'on soit dans l'Union africaine pour l'arbitrage. Et il y a un moment qui, l'année passée, quand l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité, pour la paix en RDC, il faut la revitalisation de l'accord cadre de l'Addis Abeba. Ne place pas Nomaki Lorenzo, le président angolais, comme médiateur à jouer à la paix des jours. Je vous affirme et je vous assure que à ce jour-là, la paix des jours, à Lorenzo, et je vous apprends, c'est très important dans ce moment. Dans bientôt, les Ophélie s'accompagne à la consultation officielle au sein de sa famille. Politique ou avec l'union sacrée. On a évité à soi information. Kalamine était de Félix Azobanda. Ma consultation, parce que dialogue est commis obligation, et ça obligatoire. Et tout c'est peut-être que le gouvernement a eu au quota. Le reste, au dialogue aboyé, dialogue aboyé, dialogue aboyé. Et ça, d'une manière, et ça va en chair au matin. D'une manière, ça va en chair, tu vois, il va venir à quoi les cadres, bâtir. Mais n'oubliez pas aussi, moi, dans mon cas, non, mais prépare aussi une conférence de presse. Donc, il est père, je pense qu'il nous a raté beaucoup. Ya. Donc, pour la colère, ça a été la question où dit que tout n'a là. Que Bisso, tu l'as dit, dialogue, mais il y a rapport à Rwanda. Ok, bah, Rwanda va bah, encore dire dialogue, oui, mais il y a forme, il y a accord à Nairobi. Si quoi, ils ont accord à Rwanda. Ils ont accord à Nairobi, parce que accord à Nairobi, et où tu vois, et où tu n'as cahier de pardon, et où tu n'as accord secret.
y a le 12 juillet et puis il y a le 28 novembre 2019 signé par Ndeko Félix. Parce que je sais qu'il y a des légats qui ont du balan qui à l'époque. Na Bishop Louniga, Bango Basinaga. Et le mot d'accord secret est pour se transformer et comme na cahier de charges. Oui, c'est là qui est M23, Baya Awa. Et le mot d'accord, et le mot cahier de charges. Accord secret et cahier de charges, après cahier de charges est commis, accord de Nairobi. Ce qui est au accord de Nairobi, aux huit constitutions. Conforme. Aux huit constitutions d'Abissot, na accord global inclusif, na Sam City. Le problème était déjà réglé. Il faut qu'on en ait expert. Y a-t-il dit oui ou non la vérité? Ma question. Bissot a une autre réplique de l'objet était Mayeneko Kofi. Oh, il y a sa légende, la musique congolaise. Oh, il y a l'objet pour la Bissot. Parce que chaque fois, son final a eu un plateau. Ou bien moi, la boîte de l'objet, avec un journaliste, il y a un camarade. Est-ce qu'il fallait dire aujourd'hui sous cette forme? Surtout que le Christian Timothy Mautu Koloba. La République, d'abord, s'il faudrait dire, penser à la situation sécuritaire pour que nous puissions d'abord préserver ce qui, comme il l'a relevé, au cohésion nationale. Cohésion nationale, oui. Parce que ça discours est le républicain. Où va t tu mettais moi témoigné. Question qui va moins bisous qui est un dialogue. Ah, si mon bisous, ah, bah d'accord, calme. Et ça va comme un peu bisous, bah un dialogue. Or, cohésion nationale, nous avons dégagé. Parce que ici, il a l'impression que Tshisekedi c'est Basel. Non. Alors que tout cas, ma cambo élection. Dialogue est pour abolir ma cambo élection. Les places que le papier était à Tabokei, Boko Zonga. C'est là où l'Union de République a l'accès. C'est une force. Tout ça, la rapport du fanatisme. Mais on travaille pour la libération vraie. Il y a beaucoup d'ambition, beaucoup d'ambition. Et puis, pour la conduite, bon moment pour les Congolais, pour la mieux-être, il y a Congolais Nyonso. Bitumba, il y a une autre république, et ça n'a pas d'intérêt personnel de la banque de l'Europe, mais pour la Congolais Nyonso, pour vivre en paix. Parole Kamil. Gloire à Dieu, Néné aujourd'hui, Ndeko Félix, allez vous rejoindre, la Batunaye, allez vous rejoindre le discours, il y a une autre république. Parole Kamil. C'est la limite à quoi va la consultation, je ne sais pas. Ceux qui vont te mettre dans mon pays, parce qu'ils ne vont pas couler. Mais ceux qui vont couler, je lui donne l'information. Abi, par exemple, dans la réunion, tu es négo-vivant, c'est tout ça qu'Abi va couper dans la gâte, dans la structure, mon côté, pour qu'on puisse appeler ça un élément de langage. Ah bon? N'est-ce pas qui va te dire ça? Ah! Bon, ils sont tellement qu'ils sont même partis. Mais vous parlez de Kabila, vous connaissez tous les bars. Mais nous, nous avons dit, nous avons dit, nous avons agi avec vous. Non! Quand on voit que tout le monde dit que c'est un peu comme ça, je suis un acteur politique. Je suis informé. Quand vous avez un acteur politique, je suis informé en tant que politicien. Dès qu'on parle Camisello. Politicien engagé. Merci. Voilà. Ok, merci. N'apprécie pas qu'on l'ait pas Hollande à Bissot. N'a pas de communicant, de journaliste, de pasteur, de sensibiliser la population. Tout ça, nous avons un degré à Bissot. Il y a qu'on sensibiliser les Congolais, les Kinois, les Bumbashi, les grandes villes. Tout sensibiliser notre église, notre école, pour que tout soit dans la chaîne de la balade. Parce que le bilan est salité et il y a plus que ma sassi. Le salité, il y a un malade, malade, il y a un mouton à Koufwa. D'où, dans ce qui est un journaliste, il faut accompagner l'idée Oyo. Jusqu'à ce que tout soit bien. Qu'est-ce qu'on fait Missy Mbongo bien pour la Camilo Pana. Là, le balus. Soit Missy Mbongo, l'ex-formation. On a une chaîne commerciale. On va faire le travail de Kim Bopeto parce qu'il y a. Attendez. Il y a Ribi Communication dans les fameux projets. Oui, Kaboula, il y a un ami. Laurent Batumouna. Donc, on voit qu'il faudrait revoir aussi, c'est-à-dire aux autorités. Que bon, Missawana. Pour ça, la sensibilisation, parce que ça demande des sensibilisations. Bon, moi, je vais vous informer. La ville qui chasse, c'est la seule ville au monde, c'est un budget d'assainissement. Deux Togo, hein. Qui chasse, c'est deux Togo. Je suis Togo, mon commis balé. Et côté qui chasse. Si je suis Rwanda, mon commandant. Togo, Eden Kodjo. Eden Kodjo, très bien. Si je suis Gabon, il faut avoir 8. Premier des 8 Gabon qui chasse. Donc, ville en est un assainissement. Braza, dans le pays Kango, n'a 7 millions par mois. De francs CFA. D'euros. Okay. Parce que ça coûte. Il n'y a aucun budget, aucun plan. Merci.
ndeko na ngai na yoki discours moko wa surtout na ndeko lui polé pour la communicateur ya union des républicains parti opposition radicale opposition radicale à d'ailleurs on ne peut pas faire la politique sans l'histoire. Il n'y a jamais eu la paix dans le pays, mon côté, dans le royaume, mon côté, à cause du dialogue. Ce dialogue est une solution de l'armée, c'est la hâte. Donc, vous êtes. Et puis vous vendez les pays, vous dites l'Union africaine. L'Union africaine, vous avez bien le bâtiment est construit par le gouvernement chinois. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. L'Union européenne, c'est elle qui aide les terroristes. Vous voyez comment on va dans la Bango, dans Mali, d'ailleurs, Lobby, le président que j'aime beaucoup, Ibrahim Traoré, a attaqué officiellement l'Union européenne, mais la France en particulier, Bazo formé des terroristes dans Bénin, dans la Côte d'Ivoire. Et financé. Et la France, qui fait membre de l'Union européenne, plante dans l'ONU. Et le tout puissant, le plus intelligent ministre d'affaires étrangères, Abdoulaye Diop, que j'ai sali à façon, ils ont déposé une plainte qui contenait 20 accusations. L'une d'elles parle que la France finance des terroristes. Donald Trump accuse les démocrates en général, en particulier votre frère, le minable africain là, qui a tué Kadhafi, c'est qui l'Africain là qui était venu président, c'est qui son nom échappe, la femme de le mari de Michel Obama. Donald Trump demande que ce sont tous. Ah, et là, ça conduit des actes d'Obama. Pardon, il y a pas d'actes, c'est lui. Ah. Oui. Donald Trump accuse les démocrates, en particulier Obama, ce sont eux qui financent les terroristes, base la banque dans la Qatar. Et vous prenez le Congo, vous l'amenez dans l'Union européenne. Et l'Union européenne, il faut vous dire la vérité, c'est elle qui vous a colonisé, c'est elle qui vous pille, c'est elle qui finance l'armée rwandaise, on vous comprend. Parce que solution à comment ça dans le dialogue. Je vous avais dit, ceux qui nous soutenaient, qui c'est qu'ils disent, c'est un suicide collectif. Il y a des pays, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Je prends deux exemples des pays. Pays Moko Babéniano, il reste. Donc, le problème, c'est que nous avons une IRSS. Et quand on a identiquement, il y a des contrastes, certes, il y a des analogies que nous pouvons tirer des leçons. Baris, ils ont commis une grosse erreur grave. Quelle est cette erreur qu'ils ont commise? On est attaqué, Mikhail Gorbatchev, qui vendait l'IRSS, soutenez-les, collectivement, pour l'avoir accompagné. La conséquence, c'est que l'IRSS n'existait pas. Poutine a obligé aux gens de sauter. Et commis tout. Et comme totalement étonné. Deuxième pays, c'est la France. En 1940, il y a un président grec qui était héros. Parce que Philippe était héros. La première guerre mondiale, la deuxième devient grec, condamnée, à l'âge de 84 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il faut négocier. Maintenant, on négocie la banque, on va qui place en Amindouki. Ce sont les lignes pour négocier, les lignes pour opérer ça, parce que c'est les rapports de force qui doivent vous départager. Les Français ont commis quelque chose que je les félicite, et nous les Africains nous les avons aussi accompagnés, parce que nous, les Africains qui avons libéré la France, ils ont bloqué le trait de la banque. Philippe était là. C'est quoi, Marambozo, le bas? Et Valenzela, pour vous dire que vous comprenez que c'est que non. Soit qu'ils nous commettent, nous avons des chemins. Soit nous allons. Nous te recouvrons collectivement, c'est-à-dire pour accompagner le pouvoir de traite. Aujourd'hui, militaire dans l'Union, moins de 100 dollars. Bon, qu'il n'y a pas de combat STT, bon, qu'il n'y a pas de militaire dans l'Union. Bon, qu'il n'y a pas de militaire dans l'Olala. Bon, qu'il n'y a pas de militaire dans l'Olala. Mais nous, qu'il n'y a pas de monde, bon, qu'il n'y a pas de combat, 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 qu'il n'y a pas de combat. Vous soutenez mon argent à moi, et vous le payez à monnaie de sel. Et vous allez me dire, et d'ailleurs, pour vous faire voir, on a dit ce qu'il y a. Est-ce qu'on appelle la unité cohésion nationale? Ce n'est pas ici, il n'y a aucune société qui a été homogène. La société a été toujours hétérogène. Même la France en 1900,
au XVIIIe siècle, précisément 1785 à 80, eh bien, il y avait des groupes. Il y avait les modérés. Ceux qui étaient les modérés, au centre des centristes, il y avait les jacobins, qui étaient les radicaux. 18e siècle, 1975. 1785, j'ai dit. Donc, on a vu qu'elle date à 10 mois, mais c'était la même période. Eh bien, ce sont des forces qui se partagent. Cela veut dire quoi? Alors, le nom, ici, nous avons des nationalistes. Oui. En vous comprenant, oui. C'est-à-dire que vous voulez tout simplement dire que appel est en dégo Christian Temetemi à Sengi, cohésion nationale. À Lubi, aujourd'hui, on est agressé de l'extérieur. Prouver que l'Ouganda et le Rwanda nous agressent, il faudrait que nous soutenions le président de la République. Pour vous, président Tshisekedi, c'est un suicide collectif. Ce que tu as dit en gros, c'est un suicide collectif. Alors, qui fait que des traîtres. Ah, oui, je l'ai dit, je m'en suis, moi. Oui, à Salini. Très bien. L'armée, à quel état? Comment on pouvait prendre, par exemple, les Tchadiens? Je regarde l'histoire, il y a Afrique, Tchad, il y a Burkina Faso, c'est Mobutu qui a envoyé les militaires au Tchad pour la défendre le Tchad. Les Sénégalais, comment armée est-ce en 8e, la classement est Afrique? Est-ce à la maltraiter? Je n'ai aucun sens d'avis, contrôlez les micros des paroles. Est-ce à la maltraiter? S'il n'y a pas la trahison à l'interne, pourquoi la trahison d'un pays et l'homme à l'Ibosse? C'est une erreur que Philippe Pétain avait commise. C'est quelle erreur? Il avait accepté, il y a pour qu'il négocie là, il est. Et le matin, il est Philippe Pétain. Philippe Pétain a été condamné pour haute trahison. Il a été coopéré, il a été collabo. A été négocié là, il est. Et qu'il a négocié avec Olibakunda. Pour les Français, il a pris Kobunda. Mais il n'a pas accepté, il y a Kobunda qui négocié. Et comment vous allez dire, par exemple, que vous avez un pays qui vous agresse, vous avez une ambassade? Pas bien, acte à haute trahison. Les événements. Tout ça, après ça, ça a arrêté, il a mis tout le monde. Mohamed Bazoum, le Niger. Si c'est un salaki, il a fait une déclaration. Pas bien, guerre psychologique. Il dit ceci. Les terroristes sont plus armés que son armée à lui. Quand vous avez un président qui dit, mon armée est infiltrée. C'est démoralise l'unité. La guerre psychologique, tu te fais de la guerre toi-même. C'est-à-dire qu'ils ont déclaré à haute trahison. Et là, c'est pour te comparer à mon député. Est-ce que le fait de relever, par exemple, qu'aujourd'hui, le Rwanda appuie les forces négatives à l'est du pays par les M23 clairement, avec plus de 4000 hommes au bazar supérieur, dans le nombre même à M23, ça veut dire que, quelque part, nous sommes faibles, à terme, il y a un nombre militaires voisins en terrain. Le problème est qu'il y a un faible militaire des athées. L'Afrique centrale est toujours premier. À dehors l'Égypte, peut-être en Angola, peut-être en armée. Soit tout ça qui est une politique dynamique, responsable, courageux, patriote, qui aime les Congo. Eh bien, on allait marcher sur le Rwanda. Parce que ce pouvoir-là est consensibilisé par. Parce que ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse. J'aime souvent vous dire que Bazan a la scène à théâtre. La scène à théâtre, on a dit que c'est un acteur, Kagame acteur, Museveni acteur, Jacques nous avons joué rôle naïe, États-Unis acteur, Grande-Bretagne acteur, mais l'objectif est d'étudier le Congo. Entre temps, le gouvernement a Sengi ba sanction. Nassi Sana me loco, pardon Nico. Non, laissez, mais parce qu'on n'a pas tout. C'est que Sengi Bino, Bino, Bisson de Pelé, qu'on comprend l'été. Toko, Tétoine, Moko. L'article 4, tout ça est territoire moko, ambassade des Aou. Ce qui Rwanda est une menace pour le régime qui chasse jamais l'ambassade des Aou ouvert. Jamais. Mais les Congolais vont comprendre ma moto. Cette vérité vous sauvera. Nous, on peut passer. Mais la vérité, aujourd'hui vous priez Jésus, vous parlez de Mahomet, vous parlez de Bazassou. Les paroles restent. Cette parole va rester pour vous dire que. Ce pouvoir, c'est un pouvoir corrompu, traître. Et vous savez, quelqu'un qui sous-traite l'armée est plus que traître. De quoi pas de quoi ça te met aussi ici. Aussi ici déjà. Donc ça monte dépasse pour la profite. Pour la profite, je suis pas congolais ni ça. Les règles diaboliques, mais demain dans les règles est satanique. Ça c'est moi qui change cet adage. Bah on ne va pas commettre des règles. Batika les deux. Voyons un groupe y a parole. Les nationalistes. Pour que pour trouver solution, la Mali va être dans la même situation à Bissot. Pour que Bamalé va trouver solution, Bakan, Kakuba, Minisma, les terroristes qui étaient là, passés par les gouvernements
y a Mali, dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta, Boubacar Keïta, Ibeka, avec Ali Ibeka. Qu'est-ce que les Maliens ont fait? Dès qu'ils sont dégommés les pouvoirs traîtres, on va commencer par là sur la Mali. C'est léger parce que le pouvoir c'est le Merci, Mali, merci beaucoup, Christian Temetemi. C'est ça que tu as compris. Merci beaucoup, Christian Temetemi. Est-ce que la situation aujourd'hui telle que nous l'avons, de Koualoubi, c'est impossible, aucune solution, il ne propose aucune solution. Regarde la situation, il dit, le problème c'est Tshisekedi. Est-ce qu'il faut voir la situation? Parce que vous dites qu'il faut apporter appui à Tshisekedi. Il dit, on ne peut pas apporter un soutien à un président qui a accepté de nous amener, parce qu'il paye des sous-traitances, il nous a amené à IAC, ça veut dire qu'il a accepté que nous devenons un seul territoire et qu'on ne peut pas, par ricochet, nous plaindre parce que l'article 4 relevait-il et ils ont l'accepté, on est devenu un seul territoire et quoi, c'est la raison même, c'est la question agressée Bangote parce qu'il dit, seule la lutte libère, il faudrait passer à la violence, c'est-à-dire tout ce qui va dialogue et à Boïkoutoundekouya et nos républicains, on dit, pas question de dialoguer, nous devons faire la guerre avec le Rwanda, nous devons mettre les moyens dans ma camp militaire, nous devons mettre les militaires dans ma condition digne et que finalement nous puissions déloger les ennemis. Mais si passer à apporter appui à ce qu'il dit sans passer préalablement à la pensée préalable au Rwanda, c'est rien faire. Non, d'abord, on a un peu de Mumba. Violation, il y a très aligné. Très aligné au moment où ils allaient reconnu sur le plan mondial. Le pays médiateur d'un conflit entre deux États, qui ont signé la trêve. Les organisations internationales, quoi, ben, Nations Unies, Union Africaine, les Sud-Baric au Sénat trêve. Nous sommes à trêve, on s'est l'échange avec les prisonniers militaires. Nous sommes à la trêve, c'est un moment à trêve. On peut évacuer les blessés, les malades, on peut même déplacer la population dans la zone moko dangereuse. Mais il faut et ça la respecter. De bonne foi par les deux parties en conflit. Lorsque le Rwanda viole, Yozobengango ba iskarmouche. Et on le bousala très, va tu vas comment bien le téléphone. Est-ce qu'un Congolais peut dire ça? On viole, maman y a trêve pour nous tuer, pour violer nos mamans, pour insécuriser nos compatriotes, Yozobengango ba maman iskarmouche. Non. Et très vis-à-vis, il a qui s'y fait un guerre, tu sais. Pour renforcer, pour renforcer, tout, Bissot Péto, c'est guerre pour renforcer, la troupe, Bissot, la ligne de défense. Et le bité, tout quand il m'a beaucoup, parce qu'il y a 13, tu vas là, là, non. Tu as accentué encore prudence. Tout, Bissot Péto, tout, le qui a changé, il est mort, ainsi de suite. Dans le bas qui est en gros, dans l'émission, il est qui pendant un moment, il y a trêve. Bissot peut installer un système de surveillance aérienne dans Bissot. Tout installer un système anti-missile dans Bissot. Tout implanter un missile dans Bissot. Cette fois-ci, tout bêta un missile sol-air. S'il faut tout bêta un chimique, un nucléaire, tout bêta un cette fois-ci. Parole, Kamizé. Tout ça, non, ouais. Au Tangi, nous sommes un État souverain. Nous sommes un État souverain. Parole Kamizulu au bandit au sel de chapelle à Batoubakoufa. Oh Yukuna, Bamounios Bakoufa, parole. Bakoufa, ou Hitler, ou Golbachev, Bakoufa, papa. Bakoufa. Donc toi tu es content de te référer à un mort, à un acteur vivant sur tes mains. Pour soutenir Félix Tshisekedi, ils allaient suicide collectif, mais qu'on s'est naïe, après sa ma coquille armée, qu'on s'est naïe à renforcer ma militaire, qu'on s'est naïe à s'il sa guerre. Moi, déjà, je suis suicide, mais quelle contradiction de votre part. Quelle contradiction. Vous devez vous émanciper des mises en bouche par leader politique, Batina Ramino Bouyaroulova. Qu'est-ce que vous avez dit? Il est là-bas. Vous faites les jets de l'ennemi sans le savoir. Tu n'es pas différent. Ceux qui ont utilisé le micro pour diviser la population, pour décourager la population.
pour rendre la population fainéante, pour démobiliser le troupe à l'est de la République démocratique du Congo. Tu n'es pas différent à M23 ou à Beta Mundu qui pour nous insécuriser. Lui, il dit que ce n'est pas ça le problème. Non, mais c'est quoi le mal, c'est ce qu'il dit. Non, mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Félix est venu trouver cette situation qui date. Qui date. Nous devons l'encourager de faire mieux que les autres, d'aller beaucoup plus loin que les autres. On n'a pas à lui dire que tout ce que tu fais, c'est rien, mais monsieur, tu te moques. Mais non, attendez. Tous ces pays de l'EAC, nous sommes membres avec l'Union africaine, non? Tous ces pays de l'EAC, nous sommes membres avec les Nations Unies, non? Il a oublié ça. Il a oublié. Par quelle ordonnance Félix Azoï m'a délai sur toi, c'est besoin. Il spécifie l'article 4 et a traité à Yassine. Mais il n'est pas informé de la rentrée parlementaire par consultation. C'est Banda qui peut au Bima l'Union africaine. Mais c'est assez. Et assez, pardon. Tout comme Bima. Nous sommes un État. Tout le monde a intérêt à nous soutenir. Parce qu'il faut souligner que RDC Kotaki est assez pour des raisons sécuritaires. Économique, Nathan. Et RDC Kotaki est assez pour des raisons économiques. Monsieur Tomoni, au lieu de faire l'économie, il y a une émission d'insécurité. Karma, tout ce qui. Moi, si je suis un homme, je suis un divorce. C'est bon, bisous. Tout le monde a été. Tout le monde a été tout ça à l'affaire. Tant qu'il est bon, il se comporte le coup en Gouma. C'est fini, nous avons le coup dans en Gouma. Est-ce que vous pensez que communiquer à le gouvernement congolais, parce qu'il faut en parler, qui appelle la sanction à Rwanda, c'est fini, parce que beaucoup de gens disent pourquoi toujours de communiquer. Sanction à Rwanda, et quoi mener paix dans RDC, c'est l'imbissable. On peut sanctionner Rwanda. Mais bon, tu causes sanction à Rwanda. L'Union européenne a retiré aide et soutien militaire à 20 millions. Dans l'entretien, échanger une navaline de front. Échanger une. Il n'y a pas à communiquer. Est-ce que ils allaient où dans les Nations Unies, ils allaient où dans l'Union africaine, ils allaient où dans le Parlement francophone, et où dans partout. Ce sont des doses de value qu'on nous donne. Est-ce que parole Camisolo a-t-il raison quand il dit aujourd'hui penser... Je ne lui donne pas raison aujourd'hui. Non, mais dire affronter l'ennemi, éviter les communiqués, éviter les déclarations. Moi aussi, je l'ai dit. Moi aussi, je l'ai dit. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun communiqué. Au Rwanda, au Yoka. Pour preuve, Tereva Pamba américain, ma Sengi n'a pas respecté. Alors, il dit moi, quel communiqué? Kagame, c'est un aveugle sur le plan politique, il ne lit pas. Kagame, c'est un sourd sur le plan politique, il n'écoute pas. Kagame, il va subir ma conséquence. Conséquence, c'est ça. Et on doit insécuriser le Rwanda. On doit dominer sur le Rwanda. On doit bombarder le Rwanda. On n'a pas que le Rwanda aujourd'hui. On doit détruire. On ne doit pas considérer le Rwanda. On a toujours le cas de moins d'escamouche, c'est ça? Ou encore il y a des processus? C'est vous qui le dites. Moi je l'ai dit. Non mais l'enjeu c'est quoi aujourd'hui? Celui qui a les minéraux de l'Est contrôle le monde sur le plan nucléaire et sur le plan chimique. Alors, dans le tout ce que tu vois, l'Union européenne signe les accords, les États-Unis fourrent son nez, tous, on veut avoir le minerai de l'Est. C'est parce qu'avec le minerai de l'Est, les puissances mondiales, les puissances nucléaires vont se définir dans les jours à venir. Alors que c'est ça fait avec le minerai de l'Est. Donne-nous un coup changé avec la révélation, pour ne pas dire c'est le cas des polichinelles, parce que tout le monde le connaissait, désormais au moins connu de tous. Dit officiellement que l'Ouganda fait partie de nos agresseurs. Donnez pour changer la situation est, selon vous. Il n'y a pas de donne. Il n'y a pas de donne. Donnez pour changer les athées. Donnez Ali, guerre mon côté, parce que Narango, mon pays, moi, qui est comme ça, la guerre a gagné. Non. Même États-Unis, l'Irak, excusez-moi, à Kenya qui est mon côté. Il est allé avec les alliés. Même Poutine, aujourd'hui, Chine est allié. Même mon ami ici qui est Zelensky. Il a des alliés. Nous aussi, nous devons choisir des alliés. Prenez par exemple Roubaïa, Massissi, tout ce monde-là. Est-ce que ça va changer? Parce que si on veut s'attaquer aujourd'hui au Rwanda et au Uganda, est-ce que ça va changer? Ça ne mettra pas de plus en plus d'insécurité. La vérité, c'est quoi? On ne peut pas attaquer aujourd'hui le Rwanda
parce que on a peur la riposte de la Rwanda. L'Union européenne a signé les accords économiques avec le Rwanda. Aujourd'hui, l'Union européenne a placé ses intérêts là-bas. Vous attaquez le Rwanda aujourd'hui, l'Union européenne va vous dire attention parce que je protège mes intérêts au Rwanda. Il a un investissement là-bas. Je parle de l'Ouganda. Et à l'Ouganda, la même chose. La même chose. Merci. Et nous aussi, tout ce qui est posture, Oyo, va Rwanda Bazoui. Tout ce qui est tout ce qui est Poutine. Bango pe ba ya kote investissement na bango comme ça bango pe ba ko yebisa na ba Rwanda na ba Uganda ceux qui veulent sécuriser Rwanda RDC biso et aussi maté parce que nous aussi on a investi, c'est ça la solution actuelle. Paulin Bumba, et là ceux qui s'en rendent compte, Paulin, est-ce que vous êtes fier lorsqu'on doit pacifier notre pays par une résolution qui porte le nom d'un pays étranger? Est-ce que vous êtes fier? Qui vous dit que non, l'accord cadre d'Addis Abeba concerne toutes les régions, ne concerne pas que la République démocratique du Congo. Autant que nos voisins, tous les membres, tous les signataires de cet accord, par respect à l'autre côté. C'est comme si il y a une infiltration. Biso consultation, biso tout le Lukana, Katia Union sacrée. Alors, il n'est pas né Linda Koya, la toi, il s'en est la marée. La Katia Union sacrée, biso tout le consultation, salama, parce que moi, ma frustration, ça l'est. Ah, et dans un contexte, on a né. Ne combattit frustré. Et là, 40 lits, bâti, baba, pissi, ministère, moi, demi. Ah, donc, consultation. On risque ce qui va apaiser. Attendez, donc, consultation, oui, à Zoloba. Ça va donner bien thé. Tu n'as comprends pas l'amour, consultation. À ce qui concerne la paix, s'il faut chercher la cohésion nationale, consultation, vous allez à la Union sacrée dans la classe politique, Momo Bimba. Batonio surtout et qu'on s'étend là Adolf Mozi tout là fallu nous consultation dans la dimension là. Oui vous savez les gens ça fait Zaline pour que tout décrispe ma cambo. Bah il va consulter moi dans Boka Bati de faire que majorité s'est fritée. Merci. Donne Nini. Ah bon ben hein. Oh papa nous sommes en politique, il faut être prudent. Donne-nous les lots révélations à Ouganda et qu'on change la situation à Est. Parce qu'il nous savons la révélation. Malheureusement, vos révélations, vous avez monté là-bas. Merci beaucoup. Nako Bandana Nandekonanga Kamizelo. Je pense que Kamizelo le temps moyen qu'un plateau comme celui-ci, il faut assez référer à un moment de l'histoire. Parce que son mentor, Aza, un exemple était pour le Congo. Oh. Non, il y a Non. Moussito. C'est ça, pourquoi il y a Gizenga? Il y a un mot qui est Aza modèle qui est parce que Lélo. Pardon? C'est le plus honnête politicien. Ok. Lélo. Nous avons dit croyant que en allant aux élections, les paix et qu'on soit la République démocratique du Congo. Acquérir élection en violation de la Constitution dans l'objectif qui va payer sa poste. Et aujourd'hui, Azuka de Coste a commis pour réclamer porte-parole de l'opposition. Quelle malhonnêteté! Donc, Azana, les gens qui ont fait sa vie sauter, ceux qui ont fait Félix, Azuka a continué à chauffer qui est la présidence de la République, Bangone, la compagnie qui est, a continué à chauffer. Donc, ils n'ont rien à dire aux Congolais. Bon, on a un Christian qui me tient, que j'aime bien. Les lois ont retrouvé l'été, parce que ma contradiction, tantôt il dit, nous devons faire la guerre au Rwanda. Tantôt il dit, aujourd'hui, on ne peut pas faire la guerre au Rwanda. Parce que l'Union européenne est au côté. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez lui parler là? Donc les lots, à simplement méconnaissable, même à Congolais, Major Landaï, quand vous tournez à fond le cadre de la Isabella, oh non, ça ne concerne pas seulement la RDC, mais la région. Oh, toujours ma contradiction. L'accord cadre de la Isabella est d'abord pour la République démocratique du Congo et la région. Parce que quand vous tournez à la fois, parce que le bagage, je pense qu'il peut assurer la plateau. Que le dialogue aura deux dimensions.
sur le plan interne, nous sommes comme Congolais, tous se réconcilier. Et puis le dialogue régional, là où la RDC pèserait de son poids pour dire à la communauté internationale, ma FDR, ils ont promis la mission de la Congolais. Bino va commencer à dire que ma FDR va coter dans l'opération du 3-14. Bino va connaître ça, la FDR va pas besoin de la boucle à la bambou. Moi, la boucle à l'envers, le 12 mai, à clarifier la situation en bonne et due forme. Il y a beaucoup de monde Neko Peter Nazani, avant d'aller au ministère de l'Intérieur, Neko Félix a délégué à l'Angola, à Angola, dans le réseau. Aïe, vous savez que non, Neko Mitoulou, la cause à qui, cahier de charges, que non, tu comprends sa plan de sortir par FDLR. Nous disons non, pour la mission au gouvernement, parce que le gouvernement est écoulé, il y a un modèle dans la Makamouana, il y a maman, si y a maman Gilith. Peter Nazani, il y a un modèle qui est gouvernement est écoulé dans la Makamouana, pour la mission. Bino communauté internationale, beaucoup de fait par FDL en 94. Bino peut beaucoup ça tout, par FDL voilà, pas Bima. Donc notre message était capté 5 sur 5. Donc, pour le problème, ça a été, tant qu'on va le faire, la paix, oh, il faut tout le monde. Mais qu'on ne connaît pas la situation actuelle et armée, disons. Tant qu'on va être, il faut tout faire la guerre dans Rwanda. Mais qu'on crie ça, paix autour de Bawa. Ça va problème. Dans la communauté internationale. Le Rwanda, docteur Rie, avait dit ça dans la déclaration de 12 mai. Même avant même les 12 mai, que le Rwanda, c'est un arbre qui cache la forêt. Donc, derrière lui, il y a les puissances. Tu l'as dit, ça dit que le Félix, c'est bien. Quelle est la puissance que tu mettais comme puissance? Je viens, tu le vois qui était. Quelle est la puissance? C'est la Russie, notamment. Tu le vois, je vais revenir à la place. Tout le monde dit que la guerre de Félix au colon a été parce qu'il y a une guerre de l'Aïoti. La puissance occulte et assassinement, il y a le Rwanda. Parce que moi, la chose qui a vécu dans le monde, c'est que maman a eu. Mais l'Ouganda, tu le dis, non, ça ne va pas être. Pourquoi seulement parler de Rwanda et au titre Ouganda? Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Quand on a la déclaration, c'est moi qui ai dit que quand on a un criminateur, le Rwanda, Ouganda, les a abattus. Quand on a un criminateur, le Rwanda, Ouganda, les a abattus. Donc, pour la place, ça a été. Voir et que ça a été qui m'y allait pour consommer dans le cannabis, c'est la voie du dialogue. Dieu merci que le gouvernement actuel de Félix va s'adhérer. Mais à mon avis, c'est que dans peu de jours, avant de Félix, à combattre la consultation, il va régler la situation. Là, on a dit ici, les officiers que j'ai mis à l'oubli, la carte, mais ça Je suis en train de faire ça. Et dans la toile, il a chef de l'eau. Là, on a vraiment une sacrée. Oh, le bateau, il est pas passé. Il a parlé de la vidéo. Rapidement, ça a été. Pour la solution, il y a un moment d'ici peu. Lorenzo va pouvoir avoir. Merci. Pour la situation, on a le bateau. Seul, c'est la grande de 3-7-149. Les standards, s'il vous plaît. Rapidement, rapidement, on va travailler comme ça. Je dis tout simplement que. Vous n'êtes pas l'auteur du Congo, non. Non, non. Ibrahim Traoré qui se bat là-bas. Mais avec... le bazar à l'auteur est à commenter. Bon, va être un programme. Le programme là-bas. Tu n'as pas ce micro. Il y a déjà parti politique. Et puis, encore en noir, il y a un pays qui n'a pas de solution à Bango Pen, à Bango Zala Dialogue, parce que nous sommes là-bas en solution. Et là, tu ne pas au moment où vous avez un chaque jour que vous avez un chaque jour que vous avez un vous avez un responsable. Le dialogue est congolais. Oh, tout ça va être responsable. Alors, Ibrahim Traoré, aujourd'hui avec Kassim Goïta, il trouve qu'il est balkanisé par les États-Unis que vous défendez, par l'Union européenne. Il n'a pas dit que ce n'est pas ma guerre. C'est sa guerre. Alors, même situation à guerre, on est. Rwanda, Arbre, Zumumba, Zamba, selon vous. Ça, mon ami. États-Unis, Bengali, Bango, l'Afghanistan comme Banyama. Parce que Bazan n'est pas commissionnaire au Bazo Salaman, Salamalam, mais c'est Félix qui s'est avec son système. Sauf mon États-Unis a tenu une place, c'est-à-dire régime, les Andes, et tout ça, les Moussala. Na Niger, Bazan fait 5 millions. Bengali, Bango, n'est pas moi. Bazan, Bazan, 5 millions, puis ça, 5 millions. Attendez, s'il vous plaît. Vous devez savoir que vous ne vous rendez pas compte qu'on garde la terre avec la guerre, avec les armes. On ne garde pas, même la terre que nous avons ici. Mais vous avez dit que vous pensez à Rwanda, vous quittez, vous quittez. Mais, quand on va vous quitter dans Rwanda, Bazan, vous êtes mort encore. Bazan, vous êtes mort encore. Sinon, ça crée, et votre loi. Il ne s'agit pas de continuation, il y a cash. Cash à votre ami dans Nairobi.
Parce que Nairobi aussi nous agresse. Tous les bandes qu'on a zélés c'est là. Il nous sacré là où Ghana va nous sacrer. 82 33 49 82 33 49. Nous avons tout intérêt. Allô bonjour. Il y a quoi tellement. Il y a quoi accompagner du jeu de Zanango. Pour que toi, allô, tu te tiens de nous faire régime. 0-82-33-33-749-82-33-33-749. Allô. Allô. Bonjour, Ndeko. Allô. S'il vous plaît, Soukou, je suis désolé de vous interrompre. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Ndeko Martin. Ndeko Bonner, toujours au cœur, allez-y. Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Bonner. Je suis un peu de merci Savani. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, Ndeko. Oui, bonjour, c'est Massina. Toujours quand on a Massina. Dans le Bibo, on a fait d'abord félicitations et bien en gros, côté Métembe. Qui s'est Métembe qui est proposé par Congo. Quand les coups de la Wana, la Botuna, Métier Camiselo, a été dit ça. Est-ce que le président a dit ça pourquoi va mourir, pourquoi va mourir, va y avoir dans la bande? A été dit ça. Et puis. Allô, bonjour. Moi, je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Allez-y. Je suis très heureux de vous parler. Ok, mais la guerre est aussi là. Guerre est une stratégique. Ce qui est la stratégie, vous restez guerre. Mais c'est aussi quoi, le premier ministre. À Savagi Rwanda, le donneur de leçons, il nous a mis un problème. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Mambote, depuis Matala. Bonjour, Kayoma Mambote. Ma seule solution, aussi ça vient dans l'est du pays. Et ça, c'est un dialogue ici de la France. Merci beaucoup. Merci. Message est qui? Allô? Allô? Toujours allô? Allô, je vous en prie. Mais, je connais. Au Bengo, comme Bonani. Je suis là. Ok. Merci, vraiment. Merci, je vous en prie. Maxime Makabu. Donc, mais
Nous vous aimons beaucoup. Allô? Allô? Ah, allô, bonjour. Bonjour, nous venons. Nous venons de vous parler de la question de la question de la allô, bonjour. Émile, nous venons de Émile. Tozo, quand est papa Émile? Ah, nous venons de vous abonner. Les États-Unis ont posé la question de la question du pays. Pourtant, la question est de la question de la question entre Félix Nakagame. Quatre interventions. 30 secondes, 30 secondes. Allô, secondes. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Ndeko. Ah, bonjour, Ndeko. On est à la fête d'inviter Mouda. Ndeko Fabrice, dans la commune à Matete. Bonjour, Kayo. Bon, on est là à Christian Timété. Comment cohésion nationale là? Puisque quand on se rend compte à Calon, on le rend comme ça. La souris, nous, on se dit en haut. Comment ça va, on se rend compte de gagner? Allô. Oui, on termine, Génio Kassanda. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, la bonne la climatique est de comité. Raconte finalement. Toujours au caillou. La petite va tenir son bon. Il va y avoir ça, le trading de Kofedi. Approche, il a dit par rapport à la dialogue. Et ça, n'est pas un mot parfait pour eux. Si nous avons besoin de dialogue, il faut que nous apportions. Mais partout, il faut que nous apportions un dialogue pour apporter. Il faut dire, il faut faire la différence. Donc, on va se comprendre que, il faut nous faire un dialogue, mais. Et là, Neko Paulin Bumba, je rappelle, c'est pas Félix Mawile aujourd'hui. Allô? Allô? Neko, rapidement. Bonjour. Bonjour, papa. Ah, ben là, il y a un bureau, ça, ça a l'air, voilà. Pour le tirer, on va faire la porte, on va monter. Donc, la France, elle va avoir, elle se va vendre. Maman, il cherche à dire, ah, Angalo, Mabé. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Ndeko Bengo et Pikombonani. On a bien eu l'amboudi, papa Djedore. Papa Djedore, l'amboudi, tu peux s'y n'amboudi. Non, d'abord, ça, la confusion, il y a dialogue, la cohésion nationale. Il y a un moment, on a corrigé la dictature. La cohésion nationale, la dialogue, ça, c'est ça. Il y a des choses bien. Merci. Merci beaucoup. Allez, l'avant-dernier intervenant, on s'élève déjà pour finir la semaine. Hein. Tout ça là à Kabongo, ça dit que tu osons en d'accord qui est moins bruit. Et ça là bien. Allô? 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 Oui, de quoi? Tonton Kayo? Ah, on a ce qu'on a commis, Nini? Mais ça va tout bas dans la gâte à bout tout canon botte et tout l'ingi va m'en mingi. Il faut voir, 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 il faut voir,
de Kotieri, pèse à chauffagnon son bot et bande à rendre les auditeurs. Tu pèse le nombre. Ah, merci. Allez, on va finir le tout dernier intervenant de la semaine. On ne sait pas. Il sortira de quelle commune? Est-ce qu'il y a aux annonces le coin de Kobako, dans la Bisso, Bazan Anzela, certainement, Chofagnon, so, je vous aime beaucoup aussi. Je vous aime beaucoup. Une fois, quelqu'un m'a reconnu dans les taxis. Il a reconnu ce témoin parce qu'on parlait avec un ami. On va finir, Juno Kassanda. Le tout dernier intervenant de la semaine pour nous lever finalement et avoir les mots de la fin des invités pour finir la semaine. Le tout dernier intervenant, il sortira de quelle commune? Est-ce un habitué? Est-ce un nouveau venu? Dire, c'est un nouveau auditeur, un nouveau intervenant, on ne sait pas. Le tout dernier intervenant. Allez, on le prend. De quelle commune sortira-t-il? Allô, bonjour. Allô, papa Bonnet, bonjour. Bonjour, Obengo Apiko Bonnet. Allez, c'est avec lui qu'on termine cette semaine. On peut se lever déjà. Et qui prendra la parole en premier? Camisello. Camisello. De parole Camisello. Christian Temete me va chiter parce qu'il est seul aujourd'hui comme une sacrée. Micro Junior Kassanda. Merci. Kassala qui discours naé. Oui, elle reconnaîtra qui le rwandophone de la RDC. L'histoire y a Congo exaltée. Le rwandophone de la RDC, les 30 jeunes. Oui. Donc. Irresponsabilité Zali, corruption Zali, tribalisme Zali, parce que tribalisme ne m'a jamais et ne m'a jamais ni cohésion nationale, eh bien, bah, on va en profiter. Faisons nous soutenir ici, bah, que guerre est aussi là, na malobate. Il faut que les militaires na conduisent bien. Or, tu y es bien, la histoire, na ma camne, les autres, les canons qui va partout, Zali, toujours, on a des gouvernements, et Zali, et qu'on s'en a les camarades. Parce que monsieur va penser à la bataille. Major Gredeko Christian Temete, mais qui a dit celle des sanctions, telles que réclamées par le gouvernement, ne suffit pas. Paye combien va payer sa sanction? Va payer sa sanction et ira dans combien de sanctions? Russie, combien de sanctions? Vous l'appuyez donc? Non, sanctions c'est quoi? Il a dit sanctions pour suffire. Il faut la guerre. Il faut la guerre. Les premiers, Bisso va payer sa sanction. Bisso, les premiers, il y a moi, autres alliés. La ONI, banane. Et le type le baboué, en 1966, le gouvernement est bengi si Monisco, Lumumba. Même Monisco, les casques bleus, parce que c'est là que Lumumba. Donc, Batouana, il faut tout ça, la bango guerre. Congolais place aux alliés. C'est à l'heure de pas à Rwanda. Et le gouvernement, le gouvernement, vous allez être proche à Rwanda. N'est que Ibrahim pour Papal Keïta. Merci. Comment vous allez dire? On a fini. C'est-à-dire qu'il faut tomber la guerre et le bosser dans le gouvernement corrompu. On va se soutenir. Allez, merci beaucoup. Ma Congolais, monsieur Sumatuningaï, qui papa Matondo a fait sa vie sauver comme on a eu. Parce que l'identité est presque dans la réalité. Et je pense que papa Matondo a entendu le discours de Félix, c'était dans les 30 juin. Quand on a fait une correction, pour moi, il y a un Congolais, pour te faire face à la dictature, on a travaillé à interpréter le discours qu'on a avec Félix. Quand on a fait un bagueron, il va bosser dans le dialogue, Félix, c'était bien. Mais tu as déjà joué à quelqu'un que Félix a demandé aux Congolais. Et puis, nous avons dit qu'il y a un dialogue, il faut adosser un dialogue pour te prendre à la poste. Oh, mais dans l'élection, il y a un dialogue. Non, il y a un dialogue. Oui, parce que c'est vrai. Dans l'élection, il y a un dialogue en condition, un article qui s'est placé avec la condition, avec l'autre Congolais. C'est ma poste. Quand on dit que non, cohésion, politique cohésion, et politique dialogue, et politique cohésion. Mais la cohésion se fera comment? C'est dans la retrouvaille à Congolais. Merci. Donc, l'issue à Congolais, il ne peut plus qu'à dire aussi qu'à Moïse. Tu as déjà engagé la voie de dialogue. D'ici peu, Ndeko Félix a reconstruit famille pour. Merci beaucoup, Ndeko Félix. Allez, on termine, Christian Temete.
politique, il était d'accord, cadre, il a dit ça. Vous étiez seul dans ce studio, membre de l'Union Sacrée, rapidement. Aussi ici émission, puis c'est la solution. Il faudrait engager la guerre avec le Rwanda, d'abord à l'interne, c'est-à-dire ce qu'il dit, il faut démissionner, et après, on va aller amorcer notre démarche, c'est-à-dire faire la guerre véritablement avec le Rwanda. Il y a eu beaucoup de confusion de mots. Félix Tshisekedi, c'est lui qui a tendu la main à tout le monde. C'est lui. En citant même le nom de ses compatriotes. Venez. Balobi to oyate, to répond à Liboko à Félix, c'est à Liboko à Mouyibi. Bato esida, mou bobenga, n'invite sur Bozara, bato esida à solo. Fayou la kéou l'oukabilo a au conseil des réformes, tout beau, tout le vite, la réforme à solo et salama à la parlement. Kounan des allées chambres et kila amibeko. La cohésion nationale n'a rien à voir avec les dialogues. La cohésion nationale, les allées devoir. Y a Congolais, n'y a ceci kazali. A linga mboka, a servi mboka, a trahir et coloté. À ça la peau n'amboka, c'est ça la cohésion nationale. La cohésion nationale, ce n'est pas basé quelques têtes politiciens parmi Bamopé, Bamissouba, traître, Baye, Bakolobao, Angli, créer cohésion. Non! La cohésion nationale, c'est ça. Bissonnier, surtout le Bali, le Bamoko, Toxa, Makanissi, Moko, Tobaré, Route, Namongou, à côté. Ça, c'est un devoir pour tout Coco. Mais toi, il n'y a pas de la parole, Camisello. Rapidement, on a fini. Alors. Voilà pourquoi on se bat. Na Tanzanie, il y a là qui sommet, il y a un ministre affaires étrangères, il y a EAC. Il y a là qui s'est bouclé. Mais dans les Nations Unies, tout ça, c'est comme ça. Nous sommes tous membres de la Nation. Allez, Nazo, il y a ça. Oh, parole. On a fini, on a fini. Nazo, il y a la Massima Nimba, dans le début août, dans la Massima Nimba, je crois, les 5 et les 6. Le 7 et le 8, dans la Kikwit, et le 9 jusqu'au 19 jusqu'au 14. Makambo Batbaya Kolobaya Lukuta, Nangin Ramona Kekusem, premier situation ma peau. Burundi, Yatangi, frontière Nambaye, Bangui, 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 s'appelle Mouzito. Vous êtes nombreux à nous suivre tout au long de la semaine. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi tout au long de la semaine. Vous nous avez appelés de partout. Merci à vous tous qui nous encouragez. Merci parce que vous mettez vos unités pour nous appeler. Vous qui êtes héros dans l'ombre, nous vous disons merci. Merci infiniment de nous avoir suivis cette semaine, la semaine prochaine. Nous allons débuter avec une nouvelle énergie, une nouvelle force pour un nouveau départ. Merci Junior Kassanda, merci à vous Christian Temetemi, merci à Parole Camisello, merci à Norbert Lyeye, représenté par Paulin Bumba. Merci à vous tous de nous avoir suivis. 081 49 41 721 pour vos suggestions et propositions. Nous sommes là pour vous recevoir avec beaucoup de respect que nous avons pour vous. Nous faisons un clin d'œil spécial aujourd'hui à Ndeko Thierry, ce chauffeur qui nous a appelé pour la première fois avec tous ses auditeurs qui nous suivent à travers vos tercis, à travers aussi vos motos. Nous vous disons merci. Allez, on va aller dans les bruits. Junior, on va sur quelle musique aujourd'hui? Qui va arriver? Yo, Samila, tiens, nous, tout Samila, là, les locaux, on a dit. Et les gars, on s'approche de l'humidité. Junior Kassanda, on va finir la semaine. On ira dans les bruits, bien entendu, et avec. Dans les bruits, et sérieusement, pour sinon, si on est dans les bruits, dans mon boulot, on va gagner un bon aviol. Allez, on